Salut et bienvenue, petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc on va d'abord commencer par faire les, les petits anneaux là, et puis la, la petite illustration ici. Alors on va tout de suite se rendre ici dans Fichier Nouveau, on va importer le modèle. Donc fichier importer, le modèle sera à télécharger en bas de la vidéo. Voilà, modèle, ouvrir, incorporer, ok. On va dans affichage, on choisit plein écran, affichage, on décoche ici écran large pour avoir la même. Présentation que moi. Pour zoomer, j'appuie sur le plus du clavier, pour dézoomer, c'est moins. Je vais faire apparaître ici la fenêtre calque et objet. Voilà, il y a le calque 1 que je vais renommer en modèle. Je vais verrouiller tout ça en cliquant sur le cadenas. Je clique sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler Illus. Je clique sur ajouter. Pour se déplacer dans mon document, je peux cliquer sur la molette, rester appuyé et je peux comme ça déplacer mon document. Également, j'ai une glissière en bas et une glissière à droite pour euh, éventuellement euh, me déplacer dans mon document. Alors je peux cliquer sur la molette pour zoomer et Shift molette pour dézoomer. Donc là ce que je vais faire, je vais faire un premier cercle. Donc je clique ici sur l'outil euh, ellipse et arc. Donc je clique dessus. Je me mets à peu près au milieu là et je clique en appuyant sur Shift et sur contrôle Et je me déplace à peu près à 45 degrés. Voilà donc là j'ai fait un cercle. Donc moi je vais supprimer le fond. On voit qu'il y a un fond noir. Donc pour supprimer le fond, je clique sur la croix. Et je vais mettre un contour. Euh, je vais mettre un contour rouge par exemple. Alors pour mettre un contour, je fais un clic droit et je choisis définir le contour. Ou alors je peux également cliquer avec la molette de la souris sur la couleur rouge, comme ceci. Donc je zoome en cliquant sur la molette. Euh, je peux également ici changer l'épaisseur du contour. Je vais plutôt mettre ça à 2 par exemple. Donc je vais cliquer ici sur l'outil sélection pour pouvoir déplacer mon cercle. Alors pour déplacer le cercle, il faut bien cliquer sur le contour rouge et venir le déplacer comme ceci. Alors je vais dupliquer ce cercle. Alors pour le dupliquer, je vais cliquer ici sur ce petit picto. On voit ici qu'il y a un nouveau cercle qui est apparu, qui est venu se placer juste au-dessus de l'autre. Et j'ai qu'à venir le déplacer et le mettre juste au-dessus de, de mon modèle là. Alors pour qu'il soit bien aligné, j'appuie sur CTRL. Et en appuyant sur CTRL, vous voyez, il est contraint sur l'axe vertical. Alors je le duplique encore. Alors je peux venir cliquer là-dessus. Ou CTRL D. Je clique, j'appuie sur CTRL, je le déplace. Je me mets bien au-dessus de l'autre. Voilà, je vais sélectionner ces deux cercles, je les duplique, CTRL D, je clique ici et je les déplace, voilà, comme ceci. Alors, ce qu'on peut faire, on va faire un rectangle de sélection, on va cliquer ici sur le picto aligné et distribué, on va choisir par rapport au dernier, et je vais cliquer ici pour distribuer selon l'axe horizontal, pour vraiment qu'il y ait le même espacement entre tous les, tous les cercles. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, ce que je vais faire, je vais tout sélectionner, je vais mettre ça un petit peu sur le côté, comme ceci. Et on va utiliser, je vais fermer la fenêtre ici et là, et on va utiliser cet outil qui nous permet donc de, de construire des formes. Donc je clique sur l'outil construction de forme. Voilà. Alors j'ai fait une petite erreur, j'appuie sur échappe, je vais convertir le contour en chemin. Donc pour convertir le contour en chemin, je peux aller dans chemin et je fais contour en chemin. Maintenant je vais cliquer sur l'outil construction de forme et là je peux venir. Additionner les formes qui vont ensemble, c'est-à-dire que celles-ci, elles vont aller ensemble. Alors je vais faire apparaître ici le modèle pour vérifier que je ne fais pas d'erreur. Voilà, ici maintenant je vais cliquer, je vais ajouter cette partie-là et ces deux-ci. Maintenant je vais faire le cercle noir, je clique ici. Alors ici je clique et je glisse pour pouvoir additionner et obtenir ici une seule forme. Et là, je vais cliquer sur cette forme. Je clique, je glisse. Parce que si, je fais CTRL-Z, on peut revenir en arrière, hein, bien sûr. Si je clique sur celle-là, sur celle-là et sur celle-là, vous voyez, on voit qu'il y a des séparations. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un seul et même objet. Donc, je clique, je déplace, et comme ça, j'ai une forme qui est créée. Maintenant, je vais faire l'anneau vert. Hop, je clique, je glisse. Je clique, je glisse. Et je termine par cet anneau. Celui-là, je clique, je glisse là. Et je relâche. Une fois que je suis satisfait, j'appuie sur Entrée tout simplement. Et voilà, mes formes sont faites. Maintenant, j'ai plus qu'à appliquer la couleur. Donc ici, je vais récupérer la couleur bleue qui est là avec la pipette. Donc je sélectionne mon cercle ici. Je clique sur la pipette et je clique dessus. Voilà, j'ai bien la couleur bleue. Maintenant, je clique sur l'outil Sélection. Alors le raccourci, c'est S ou F1. Là, je clique sur cet objet. Le raccourci de la pipette, c'est D. Je clique sur la couleur jaune. J'appuie sur F1. Ce qui peut être fait, c'est que ces deux objets, on va les combiner. On va dans le chemin et on fait tout simplement. Alors, soit combiner, soit union. On va faire union. D et je récupère la couleur. J'appuie sur F1. Je clique sur, cette, sur ce cercle-là. Je clique sur celui-là. D et il sera noir. Union. Je clique sur ce cercle. Sur celui-là, je les combine. Combiner. Le raccourci, c'est CTRL-K. Allez, CTRL-K. J'appuie sur D et je récupère la couleur verte. Pareil pour cet anneau. D et je clique là-dessus. Voilà, comme ça, on obtient nos anneaux. On va les placer comme ceci. On peut les grouper, CTRL G, ou on peut venir cliquer là-dessus. Et maintenant, si je vais dans la fenêtre des calques, on voit que j'ai un groupe qui s'appelle G11. On va l'appeler anneau. Maintenant, on va faire euh, cette petite illustration. Donc, c'est très facile. Hein. Je clique sur l'outil ellipse et arc. Je me mets à peu près mieux, je clique, je glisse, comme tout à l'heure, CTRL et SHIFT. J'agrandis, voilà. Je clique sur l'outil sélection, je clique sur la flèche en appuyant sur CTRL pour garder le cercle. Alors je vais supprimer le contour, on peut cliquer sur la croix et venir la glisser ici sur la couleur rouge du contour. Je mets ça comme ceci, je clique sur la flèche du bas en appuyant sur CTRL. Euh, je vais supprimer le fond plutôt et mettre un fond noir. Voilà, avec une épaisseur de 0,1. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Maintenant je vais sélectionner l'outil plume. Donc, je vais faire un premier nœud ici, je fais un autre nœud là, clic gauche, clic gauche, je fais un nœud ici, un nœud là, un nœud ici, et je viens finir à peu près ici. J'appuie sur Entrée pour valider. Maintenant je vais sélectionner l'outil nœud, tout simplement. Là je me mets à peu près au milieu, je clique sur mon tracé, et je déplace. Voilà, je fais la même chose ici, je me mets à peu près au milieu, je clique, je glisse. Ici, à peu près au milieu également. Voilà. Ici, je clique, je glisse. Pareil ici, je clique, je glisse. Je clique sur le nœud. Je vais jouer avec la poignée, là. Alors, si vous n'avez pas la poignée, vous cliquez là-dessus pour faire apparaître ou disparaître les poignées. Je zoome, je me mets à peu près au milieu, je clique, je glisse. Et pareil ici, je clique, je glisse. Je déplace le nœud, je joue avec la poignée. Voilà, c'est pas trop mal. Ici, vous voyez, c'est un nœud, euh, on va le rendre doux. C'est-à-dire que les deux poignées vont être euh, associées lorsque je vais déplacer celle-là. L'autre va suivre dans ce sens-là. Donc CTRL Z pour revenir en arrière. Je sélectionne le nœud et je clique là-dessus. Comme ça, je suis sûr que ici, j'ai une belle courbe. On va faire les lèvres, toujours avec l'outil plume. Je clique ici. Je clique là. Ici. Euh, ouais, je viens fermer mon tracé. Je clique ici sur l'outil nœud. Alors je sélectionne la ligne du dessus, celle-là, et je la déplace vers le bas. Je fais un rectangle de sélection pour faire apparaître les poignées. Voilà, ici, comme ceci. Là, je vais déplacer vers le haut. Je vais jouer avec cette poignée-là. Voilà. Et pareil ici. Maintenant, il nous reste à soustraire cette forme à celle-ci. Donc, j'ai sélectionné les deux formes avec l'outil nœud. Donc j'ai sélectionné cette forme, j'ai appuyé sur Shift, j'ai cliqué là-dessus, là je vais corriger un petit peu, voilà, et maintenant je vais dans Chemin et je fais tout simplement différence. Je clique ici sur les lèvres, je vais dans Chemin et je fais Union, avec l'outil Pipette, on a vu que le raccourci c'était D, je récupère la couleur, comme ceci, et je supprime le contour, donc je clique sur la croix et je la déplace, comme ceci. Voilà, je vais pouvoir maintenant masquer le modèle, et voilà, on a fait rapidement... Cette petite illustration. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.